Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot Lumière sur laquelle je vous livre la guidance et les conseils des anges par signe astrologique. Ce tirage est pour les balances pour le mois de février 2017. Dans les balances, ce mois de février, il y a des actions à prendre. Laissez le passé derrière vous et vous affirmer. Alors voyons le premier focus pour le mois de février. Nous avons le conseiller. Alors conseiller, ça peut être un thérapeute que vous avez besoin de chercher conseil, soutien auprès d'un thérapeute, d'un ami, quelqu'un qui vous écoute avec une oreille bienveillante, ou vous-même vous allez jouer ce rôle ce mois-ci. Alors je pense qu'instinctivement vous allez sentir de quel côté vous êtes. Quand vous écoutez ce que je vous dis là, est-ce que c'est vous qui avez besoin d'aide ou alors est-ce que vous êtes en position, en capacité de donner l'aide à quelqu'un? Donc voilà, c'est votre premier focus pour le mois de février. L'empathie ou recevoir des conseils ou en donner. Ensuite, nous avons les livres. Alors les livres signifient la plupart du temps que l'on trouve des réponses aux questions qu'on se pose dans les livres, dans la lecture d'une manière générale. Parfois des indices apparaissent dans les livres. Que ce soit dans des livres physiques, dans des articles de journaux, sur internet, en papier, peu importe le support, mais le fait de lire, de faire des recherches, d'apprendre des informations va vous aider ce mois-ci. Peut-être vous, parfois aussi, la lecture vous permet de vous soigner, de vous guérir de quelque chose. Vous pouvez découvrir de nouvelles informations sur une façon de guérir des blessures émotionnelles, par exemple. Et je pense à ça parce qu'on a, dans ce qui va se passer, un besoin pour vous ce mois-ci de laisser le passé derrière vous. Il y a une grande tristesse, plus ou moins grande tristesse pour certains d'entre vous, qui est présente, qui a été présente jusqu'à aujourd'hui. Et il est temps de la laisser derrière vous et de tirer les leçons de ce qui s'est passé, et tout en sachant que vous n'en grandirez que plus fort. Vous allez vraiment vous sortir grandi de cette situation qui vous a tant blessé. Okay? Donc peut-être aller chercher du soutien dans les livres à ce niveau-là. Et cette carte nous dit aussi qu'avec le temps, vous allez guérir de cette situation. Et dernier focus, nous avons le voyage. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut être du voyage de loisirs ou de travail, peu importe ce que c'est. Profitez de vos opportunités de voyage, que ce soit un voyage dans la journée, pendant un week-end, ou carrément quelqu'un qui vous propose de partir en vacances pendant quelques jours, une semaine, peu importe. Mais en tout cas, soyez ouverts au voyage ce mois-ci. Au déplacement, d'une manière générale. Ensuite, ce qui concerne ce qui va se passer, bien, vous allez être dans une situation qui va vraiment faire appel à votre capacité à parler honnêtement, de manière ouverte et avec une affirmation de vous-même, en fait. Sans violence, sans entrer en force, mais cette situation appelle à votre intégrité, à votre honnêteté et vraiment à poser les jalons de qui vous êtes en fait. Ok ? Besoin de vous affirmer ce mois-ci, d'affirmer votre point de vue. Enfin, nous avons Chariot. Alors, cette carte est une belle carte parce qu'elle parle de
de mouvement, de mise en mouvement et de succès à l'issue de cette mise en mouvement. Elle parle aussi de détermination et de contrôle de vous-même. Elle parle d'une possibilité de promotion, d'avancement dans votre carrière. Mais d'une manière générale, elle parle de reconnaissance des autres, de vos capacités, reconnaissance donc publique de votre travail, de vos capacités, compétences. D'ailleurs, celle-ci, dans l'attitude à adopter, nous parle aussi de ces fameuses compétences qui sont louées, qui sont mises en avant. Dans l'attitude à adopter, cette carte nous parle d'accepter les louanges, d'accepter les compliments, parce que c'est de la reconnaissance et c'est pas de la reconnaissance vaine, c'est quelque chose une chose pour laquelle vous avez travaillé dur. Ça ne vous est pas tombé comme ça. Vous méritez cette reconnaissance. Donc accueillez-la, les bras ouverts, accueillez-la avec humilité, certes, mais pas avec timidité. J'avais dit ça aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Ce n'était pas le chariot, mais on avait aussi deux cartes comme ça de reconnaissance. Et cette carte-là, par contre, était ressortie. Enfin, alors, comment dire ça? Dans l'attitude à adopter, on a deux cartes de relation. Alors, ici, on a la relation familiale et ici, relation plutôt amoureuse. Là, cette carte nous parle, si vous êtes un chef de famille, elle nous dit que votre famille serre les coudes, se soutient, les membres de votre famille se soutiennent, sont vraiment liés, il y a des liens forts et harmonieux. Voilà, c'est ce que vous allez retrouver ce mois-ci. Pour certains d'entre vous. Ensuite, par rapport aux relations amoureuses, là, on a. Alors, certains d'entre vous vont rencontrer quelqu'un de nouveau qui a un caractère romantique, rêveur, quelqu'un d'émotionnel, d'émotif, pardon. Peut-être un artiste. Qui a l'habitude d'éclamer sa flamme à travers des lettres, des poèmes, avec des fleurs, ce genre de choses. Ou alors, cette carte signifie que on va vous demander en mariage, que des connexions, des reconnexions avec des personnes de vos vies antérieures vont se faire. Donc il va y avoir pour certains d'entre vous, encore c'est du général, quelqu'un du passé, de vie antérieure, ou quelqu'un de nouveau. En tout cas, c'est quelqu'un de nouveau dans tous les cas, même si c'est des vies antérieures, dans cette vie-là, c'est quelqu'un de nouveau pour vous, qui va entrer dans votre vie, qui va vous donner un sentiment amoureux. Voilà. C'est tout pour vous les balances. J'espère que vous avez aimé ce tirage. Si oui, likez la vidéo. Si vous voulez un tirage personnalisé, une guidance rien que pour vous, vous pouvez vous rendre sur mon site coachinglumière.com ou m'envoyer directement un email à coachinglumière@gmail.com. Voilà, je vous propose donc des guidances à partir de 20 euros, donc n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent mois de février et je vous dis à très vite. Bye bye!